Salut à tous, aujourd'hui je suis en direct de la librairie Mola à Bordeaux et on m'a mis au défi de compter le nombre d'échelles qu'il y a dans cette librairie qui est la plus grande de France avec 2700 m² d'espace de vente. Je pense qu'on va s'y mettre maintenant, c'est parti. On y va. Bon alors déjà là c'est facile, il y en a deux si je ne m'abuse. Est-ce que je peux monter à une échelle? C'est parti. Donc ça fait un peu peur. Mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est la meilleure librairie de France et on sent que l'aluminium qui a été utilisé pour ces échelles est français. Hein, c'est robuste, ça a fait la Seconde Guerre mondiale, ça c'est du poilu. La troisième. Comme on peut le voir, une échelle sur ma droite, c'est la quatrième. Donc on a la cinquième échelle juste là, qui a été posée en 1808 par Napoléon lui-même. Oui monsieur. La sixième échelle ici qui a soulevé la République en 2009, on s'en souvient, tout le monde a tremblé. XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, hein, l'échelle de sociologie, l'échelle sociale, impossible à gravir pour certains, dont je fais partie bien sûr. On va aller, alors là, ça c'est mon coin préféré, c'est le coin histoire. Histoire du monde, histoire de la France, histoire des hommes, histoire des femmes. J'adore. Suivez-moi. 20. On est à 20 échelles. Et on a la 27e, juste là, au niveau communication. L'échelle de com, absolument incroyable. Je vous ai pas mis tôt. 28. 28 échelles. Celle-là, c'est du solide. On a la 29e juste ici, la 30e en face de mon physique, 31, 32, 33, ça m'a l'air pas mal. Bordeaux-Mola a ses petites particularités, c'est que des fois tu passes dans une pièce, tu penses avoir tout vu, finalement tu y retournes et tu la redécouvres. Et là c'est exactement ce qui se passe, puisqu'on était là, on avait fini de compter nos échelles ici, on était monté jusqu'à 33, mais on n'est pas allé la voir là-bas, on l'avait pas vu, le passage vient de s'ouvrir. 34, oui messieurs, on peut monter jusque là. 35, 36, ma foi, 36 échelles. On a la 37e échelle, la 38e échelle, oui. Oui, je compte les échelles. Et il y en a tout à fait. Il y en a 38 et même, pour les plus curieux, 39. Ah, 40, et oui, 40 échelles. 45 échelles. Alors là, si je me trompe pas, on a fait le tour. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on en revienne à un endroit un peu plus tranquille, où on est tous les deux tranquillou, et puis on fait une petite conclusion. On fait ça? C'est parti. Donc voilà, j'ai la réponse à la question con de la librairie Mola. Il y a 45 échelles sur 2700 m² de surface de vente que j'ai dû parcourir avec mes pieds, avec mes cuisses, avec mes jambes, avec mes hanches, avec mon dos et tout mon corps humain, ses os, ses muscles et ses vaisseaux sanguins pour trouver la réponse à cette question con. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube Les Questions Cons ou alors même en lecture sur ce livre qui a été confectionné avec amour, étanchéité et exotisme. Hein, vraiment, il résiste à tout, ça se conserve très bien. Vous pouvez même le mettre dans vos toilettes. À bientôt.